C'est une belle revanche sur la vie qui vient de prendre James Middleton. Il faut dire que le frère de Kate Middleton est passé par une période très sombre de 2016 à 2017. Mais ce n'est qu'en 2019 qu'il se confiera à ce sujet. Le jeune homme a souffert d'une grave dépression. Comme il le racontait au Daily Mail. Il s'était alors éloigné de sa famille, leurs textes angoissés devenaient de plus en plus insistants de jour en jour. Il est difficile de décrire cette condition. Ce n'est pas juste de la tristesse. C'est une maladie, un cancer de l'esprit, expliquait-il. 2 ans après, le chéri d'Alizée Thévenet était revenu en toute franchise sur cette période noire et avait donné l'une de ses méthodes pour sortir de cet état, « J'ai mis mes chiens dans ma voiture et… » Sans dire à personne où j'allais, je me suis rendu dans une partie sauvage et isolée du lac district. Là, j'ai nagé dans un lac glacé, fait des promenades solitaires et suis resté seul dans un chalet isolé, essayant de calmer le tumulte dans mon esprit. Depuis, James Middleton va mieux, notamment grâce au succès de son entreprise. En effet, en août dernier, le frère de Kate Middleton devenait millionnaire grâce à son entreprise de cadeaux personnalisés. BOMF. En effet, selon les informations du Daily Mail, James Middleton a ainsi déclaré 1 107 222 livres dans les comptes déposés l'année dernière. Soit plus de 1 200 000 euros. Et les bonnes nouvelles s'enchaînent. En effet, ce dimanche 12 septembre, le petit frère de Kate Middleton a annoncé avoir épousé sa compagne, Alizée Thévenet. C'est sur Instagram que le jeune homme a dévoilé une magnifique photo de son couple. Tout habillé en blanc, et surtout tout sourire. Monsieur et Madame Middleton. Hier j'ai épousé l'amour de ma vie entouré de famille, d'amis et bien sûr de quelques chiens dans le beau village de Bormelimimosa. Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis heureux. Une publication qui a été largement commentée par ses fans.